Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette Go to Fac du mois de septembre. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, les en vidéo, c'est mieux, mais les facs en vidéo, c'est encore mieux que sur le blog. Donc en fait, dimanche, enfin déjà le vendredi, on avait fait un test, on voulait faire la première fac en live. Donc vendredi, en fait, ça n'a pas marché. Déjà, on a essayé, le son était un peu robotisé. Et on a essayé dimanche, et apparemment, en ce moment, entre la Chine et l'international, il y a des petits problèmes de son avec tout ce qui est VOIP. Donc Skype ça marche pas bien, Gtalk ça marche pas bien, et tout ce qui est Hangout, ce qu'on a essayé, bah, l'image était nickel mais le son était complètement soit pourri vendredi, soit dimanche on a essayé, c'était très très faible et c'était pas exploitable. Donc cette première fac en live est reportée à dimanche prochain. En plus on a préparé plein de trucs, j'ai préparé un comparatif, des trucs qu'on a testé, les meilleurs, le top 3 et tout. Donc c'est reporté à dimanche prochain 11h. Ce qui fait plaisir, c'est que vous étiez quand même super nombreux hein, à être là déjà dimanche matin. Merci à tous, franchement du fond du cœur, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'on vous retrouvera dimanche prochain si ça marche. Je sais qu'en normalement le building, ils vont le passer, on est en 20 mégas, là on va passer en 100 mégas en fibre direct. Donc en théorie, peut-être que ça va débloquer un petit peu ça et on espère qu'ils vont trouver une solution. Concernant le Hangout, alors on a trouvé, en fait, quand on fait un Hangout, en haut, on a possibilité de l'unbed pour les techniciens. C'est-à-dire qu'on pourra l'intégrer directement au blog. On mettra le blog directement à 11h et là quand vous l'ouvrirez, il y aura une fenêtre YouTube, il y aura qu'à appuyer sur play, vous aurez accès au live en direct et vous pourrez poser vos questions directement sur le blog. Voilà, bon, c'était un petit peu, ça sera un petit peu la nouveauté qui arrivera maintenant semaine prochaine, mais on va essayer d'en faire un par mois, et puis si après on voit que vous suivez, on en fera peut-être un par semaine, et peut-être après un par jour, et après deux par jour, trois par jour, matin, midi, soir, et comme le journal de 13h. Bon, en attendant, on va faire les questions. Et du coup, on n'a pas beaucoup de questions, ça va être bien. Ludo nous en a fait quoi? Qu'une seule. Donc c'est plutôt pas mal. On a pris les questions qu'on a vues directement sur le blog. On va y répondre maintenant. Et puis on va essayer vraiment de reporter ça dimanche prochain. On va arrêter dans la semaine. Si dans la semaine ça se débloque, on vous dit ça se débloque et on fait un go to fac dimanche prochain. Ça permettra de passer une heure ensemble. Ça pourrait être plutôt sympathique. Alors, question de Issa. Il paraît qu'il faut que je lise les questions doucement, parce que je lis les questions beaucoup trop vite. Est-ce qu'on peut la suivre depuis notre smartphone? Alors du coup, oui, la fac, on vous pourrez la suivre depuis votre smartphone. Il suffira d'aller sur le blog, d'aller sur... il y aura une vidéo YouTube, vous cliquez sur Play et vous pourrez la voir en live. Voilà, donc dimanche prochain, entre 11h et midi. Au moins une heure, hein, c'est déjà pas mal. Parce qu'ici, ça fait 17h. 17h, 18h, c'est bien aussi. Ensuite, question de Ty, T-Y. Est-ce que vous vendrez d'autres accessoires Xiaomi comme l'enceinte ou la batterie? Alors, batterie, non. En fait, là, il y a une restriction, en fait. Hein. On ne peut plus envoyer de batterie seule depuis la Chine vers l'international. Parce qu'il y a eu des problèmes, des batteries qui ont un peu... des batteries qui ont brûlé dans les avions, mais c'est les batteries, elles ont gonflé, en fait, quand elles sont de mauvaise qualité. Et les batteries qui ont gonflé, après, donc du coup, elles chauffent et ça fait fondre le plastique, ça fait un peu de la fumée. Et les avions ont flippé parce qu'il y a quand même... Ici, il y a quand même énormément d'abus. Où les mecs, ils envoient des cartons entiers de batteries. Donc les transporteurs, plutôt que de dire oui, une batterie c'est bon, deux batteries c'est pas bon, machin, ils ont dit non, plus de batterie du tout. Donc on peut plus envoyer de batterie seule. On est obligé d'envoyer soit un téléphone avec sa batterie, ou un téléphone avec sa batterie plus une deuxième batterie, mais là faut payer un malus. Soit faut que la batterie soit intégrée. C'est pour ça que généralement, si vous recevez des commandes maintenant de Skyphone, vous verrez que les batteries sont dans le téléphone. On met une petite languette. N'oubliez pas d'enlever la languette. Hein. N'écrivez pas pour dire que ça marche pas. Il y a une languette. Pas que ça fasse contact pendant tout le trajet. Donc on les met dans le téléphone et comme ça on se dit c'est la batterie du téléphone, ça passe un petit peu mieux. L'enceinte Xiaomi, vous êtes beaucoup à m'en parler, personnellement nous on l'a vu, elle casse rien. Hein. Elle casse moins que la DOSS ou que les Ranco qu'on a vu. Donc pourquoi pas, mais vous allez, on peut pas dire vous allez payer la marque Xiaomi, parce que l'enceinte est quand même pas chère. Mais à part le fait qu'il y ait marqué Xiaomi dessus, il n'y a pas énormément d'intérêt. On a plus envie de développer les accessoires Oppo. On vous expliquera ça à la fin du mois. Alors, question de Ludo. Ah, quand même. Est-ce que par hasard, avec l'arrivée des smartwatches, vous auriez en Chine, comme il se faisait à l'époque, des copieurs de cartes SIM pour les nouvelles SIM françaises? Parce que démonter, remonter la montre à chaque fois, pour mettre la SIM... Alors, des copieurs de SIM, je sais que ça existait dans ma jeunesse, en l'an 2000. Je sais pas sûr que ça existe en Chine. Puis, on a des lecteurs de cartes SIM, des copieurs de cartes SIM, je sais pas. Mais je pense pas que ça marche, hein, personnellement, vu que maintenant, les opérateurs proposent des fois de vous faire un clone de la carte SIM. Vaut mieux voir avec votre opérateur pour vendre des copieurs de cartes SIM. Ça va être encore de la bricole là et on va encore passer pour les plus gros truands de la planète. Certains s'en font déjà une spécialité. Alors, question de Philippe de France, 13. Quand on achète des téléphones, pourriez-vous les router sur demande ou au moment de la commande?
Je veux dire, personnellement, entre tous ceux qu'on voit passer, les routes, je peux vous dire que 2 fois sur 5, ça se passe mal. Hein. Les mecs, ils essaient d'installer des trucs, de modifier, de faire des ROM, et le téléphone, il est soit planté, donc après, il se retrouve sur le forum, voilà, ils nous écrivent en disant, oui, je comprends pas. Soit il est briqué, et quand il est briqué, voilà, il n'y a plus de feu, et il est mort. Voilà, donc là, c'est un peu compliqué. Les routés, non. Même si Nico va se mettre en place un petit peu cette semaine où il sera possible qu'il le fasse, il sera possible qu'il rattrape les conneries surtout, mais router non, parce qu'après c'est vraiment la porte ouverte en disant allez-y, faites ce que vous voulez, et les fabricants pour ça sont assez stricts, et de plus en plus en disant un téléphone qui a été routé, modifié, flashé, machin et tout, la garantie walou, hein. Donc après c'est à nous de dire ouais mais s'il te plaît machin et tout, donc bon, non, on va pas vendre les téléphones comme ça avec c'est comme les scooters, hein, ils les vendent pas débridés, hein. C'est à toi de le faire. Voilà. Question de Famous. Est-ce que des PC chinois seraient un jour disponibles dans la boutique ou pour le gaming, par exemple? On m'a déjà demandé des PC ou les Lenovo, parce qu'il y a une grosse gamme de Lenovo. En fait, PC, je suis pas très balèze en PC, déjà, je connais pas grand chose. Même si certains vont dire, oh, il connaît déjà pas grand chose en smartphone, un peu plus. Oui, bah, il y a encore le problème des frais de port. Par exemple, on va parler surtout des Lenovo. Il y a énormément de Lenovo ici que vous voyez pas arriver ou qui vont arriver vachement plus cher, notamment les all-in-one ou les laptops. Les vendre, oui, mais après, bon, les frais de port, ça va coûter une blinde et quid de la garantie. C'est-à-dire qu'en cas de garantie, il faudra nous le renvoyer. Hein. Et il faudra qu'on voit avec le fabricant et tout, c'est un peu compliqué, je trouve, comme business model et tout, et je pense que d'autres feront ça certainement mieux que nous. Bon, après, on a vu, oui, mais en cas, vous allez dire, il n'y a pas de garantie. Attendez, déjà, comment on se fait lyncher avec les SAV qui mettent une plombe à être réparés par les fabricants, si on commence à faire des PC en disant, ouais, il n'y a pas de garantie, machin, ça va virer à l'émeute, et on n'a pas besoin de rajouter ça à nos détracteurs. À nos fermiers des tracteurs. Ensuite, à nos Ramirez Guilhem. Va-t-il y avoir un paiement en plusieurs fois sur Skyphone? Non. On a déjà essayé. Alors, pour faire un paiement en plusieurs fois sur Skyphone, il faudrait que on passe par un organisme, genre CTLM ou un 3 fois sans frais, machin et tout. Et toutes les sociétés qui font ça exigent que ce soit des sociétés françaises. Donc, comme Skyphone est sous une société hongkongaise, et pour eux, hongkongais, c'est chinois, c'est des voleurs, je veux dire, c'était même pas négociable, je veux dire, non, il nous faut une société française avec une URL ou une entité en France. Donc, malheureusement, ça sera pas possible. On a demandé à iPay, hein, mais iPay, ils ont pas de solution de paiement 3 fois. On lui a dit que, ouais, ça serait bien, mais comme apparemment, on est le seul à leur demander, pour l'instant, ils ont pas de solution, eux, à nous proposer, mais, on perd pas l'espoir, hein, peut-être. Si iPay débloque ça, ouais, après, avec plaisir. Mais là, en fait, on pourrait le faire, mais à notre charge. C'est-à-dire que si au bout de 2 mois, vous payez pas, on l'a dans l'os. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Ramirez, encore. Quels sont les téléphones chinois les plus attendus selon toi? On sait pas, hein. Vraiment, c'est un peu la surprise avec les fabricants. C'est-à-dire qu'en fait, on a les photos qui arrivent, et le téléphone, il est quasiment disponible. Donc après, ouais, peut-être le Oppo, le N1, moi j'ai envie de l'essayer avec la ROM cyanogène, ça pourrait être pas mal. Le Zoppo, ouais, parce que ça sera les premiers, mais bon, il n'y a pas de 900. Le Mi Cross, en théorie, on nous l'avait promis avant les vacances, mais apparemment, il est encore un peu buggé. On l'aura peut-être après les vacances, on devrait être sans... Théoriquement, on devrait être le premier à l'avoir, à le tester, mais c'est pas sûr. Il faut qu'on voie avec le partenaire s'il arrive à l'avoir, à nous le donner. Voilà. Question, alors attention, question de Philippe de France, 13. Vas-tu rester avec Skyphone ou prépares-tu à partir avec d'autres expériences? Ben non, on reste toujours avec Skyphone. En fait, comme si on suit un peu les news Skyphone, ils ont vu qu'il y a une nouvelle team, il y a un manager qui est arrivé. Et Bac+5 Managing International, la classe, hein, je veux dire. Pas moqué de vous là. Donc voilà, il y a lui, il y a Nico, il y a Zoé, il y a Julian, c'est notre Bac+5 international. S'il nous regarde, parce qu'il est à Hong Kong cette semaine, à cause des visas. Ouais, c'est chiant. Qui nous manque. Déjà. Tout le boulot qu'il y a. Est-ce qu'on va. Oui, en fait, voilà. Donc lui, il reprend Skyphone, en théorie, comme ça, moi je m'en déleste. Déjà, c'est vrai qu'on me tape dessus en disant ouais, JT Geek, enculé et tout, Skyphone. Je veux dire, si chaque petit problème de Skyphone doit m'être imputé, je sais pas où on va. Vous irez voir le mec de chez Free Mobile, Xavier Niel, et vous dire oh là là, ma collection elle marche pas, enculé. Le mec il va vous dire, attendez, déjà, moi je suis chez moi, tranquille, après voilà, c'est une société, des trucs. Donc est-ce que non on reste, nous, moi je vais rester au sein de Skyphone pour les driver encore un petit peu pendant un moment. En plus, il y a Noël qui arrive. Ensuite, on va garder un rôle de conseil, parce qu'en fait, en théorie, moi, je vais plus me répercuter sur le JT Geek.
où on va faire des vidéos. Vous avez vu, les chaînes NHD ont repris chaud. Cette semaine, on a une vidéo par jour jusqu'à samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, bah, le test, normalement, il est déjà en ligne avec le disque dur. Mardi, on a un chaînes NHD. Mercredi, on va tester... ah bah, elle est là-bas. Un truc trop classe. Alors, franchement, vous allez kiffer. Jeudi, on va faire un chaînes NHD. Vendredi, on attend. Soit on testera la réco, soit on testera... un truc wifi et tout, ouf. Là aussi je pense que ça va déchirer. Et samedi, on a un spécial channel HD de 30 minutes. Donc voilà, moi ça va être mon travail maintenant, ça sera du test, de la vidéo, un peu de market, trouver des nouveautés et un rôle de conseil pour Skyphone. Est-ce qu'on va partir sur autre chose? Non. Après, certains l'auront déjà vu avec les partenariats qui se mettent un petit peu en place. On a des petites pistes partout, hein, je peux vous dire. Aujourd'hui, on est présent un petit peu partout. Qui fera plaisir à tout le monde. Et ouais, les petits gars, si vous nous aimez pas, ça va être de plus en plus dur. Parce qu'on est, bah, on est en deal avec nos concurrents, on est en deal avec Zoppo, on est en deal avec InWatch, on est en deal avec des marques, voilà, quoi. On est avec Skyphone, on est avec des stock boutiques. Voilà, quoi. Les gars, c'est la vie, hein. Bah, si vous nous aimez pas, bah, vous allez encore moins nous aimer, tant pis. Ça me fera une occasion de mettre un pouce rouge encore. Ne regardez même pas la vidéo, mettez un pouce rouge, c'est pas la peine. Et ensuite, la dernière question de Jimbox. Peut-on mettre n'importe quel ROM, exemple MUI, dans n'importe quel Android? Ben non. Mais non, existe-t-il des interfaces de musique? Ben non, on peut pas mettre n'importe quel ROM dans n'importe quel téléphone, parce qu'en fait, chaque ROM, comment dire, c'est un petit peu comme Windows. Une ROM, c'est un peu comme Windows, si vous avez un ordinateur. Quand vous avez un ordinateur, vous dites, ah, je vais réinstaller XP, et je vais réinstaller 7, ou je vais réinstaller Windows 8. Quand vous installez Windows, il a besoin des drivers de l'appareil. Pour être compatible avec la caméra qui est dedans, pour être compatible avec le disque dur, pour être, enfin, pas le disque dur, mais pour être compatible avec la carte graphique, avec la carte mère, avec tout ce qui est un petit peu dans l'ordinateur, et ben, une version Android, c'est pareil. Aujourd'hui, une version Android n'est pas une version Windows, c'est pas, on met pas la version Android dedans et il vous trouve tous les drivers. La version Android est préparée pour le modèle, donc il faut que quand la version Android soit programmée, ce qui est un peu le problème de Mi France ou de Cyanogen, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'ils aient les drivers pour la caméra, qu'ils aient les drivers pour l'écran tactile, qu'ils aient pour le CPU, pour le GPU, pour la carte mère et pour la gestion du vibreur et pour la gestion de machin. Et c'est pour ça que les mecs ils galèrent, parce qu'en fait ils font une ROM et après il faut qu'ils arrivent des fois et disent, ah, on a fait une ROM mais l'appareil photo marche pas, parce qu'il faut trouver les drivers de tout. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de ROM plug and play ou comme un Windows où on met dedans et ça marche. Donc en fait, ils sont obligés vraiment de fabriquer une ROM pour le téléphone et trouver tous les drivers. Et comme les codes sont pas toujours ouverts, eh ben on peut pas toujours trouver. Des fois, il manque un driver pour un appareil photo, il manque un driver pour une fonction. Ce qui est un peu compliqué, donc il n'y a pas de ROM magique pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais en fait, les téléphones, étant donné qu'ils sont tous différents, pour l'instant, c'est pas possible. Existe-t-il les interfaces de gestion musique, hein, comme iTunes pour les smartphones que vous vendez? Non, ça je crois pas vraiment sur le forum. Il y a des mecs beaucoup plus balèzes. Concrètement, la 3G 2100, on la capte en France? On la capte où en France? Bah dans les villes. Dans toutes les villes, on capte la 2100. Bah les grandes villes, très peu de... Les grandes villes, on capte la 2100. Et après, à cause des nouvelles antennes, ils se sont dit, tiens, on va prendre les GSM 900, on va enlever, on va mettre 3G. Donc c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, cette histoire de 3G 900... Pour être allé en France avec un téléphone qui n'était que 2100, ça marchait très très bien. En Edge, pour dire les mails et tout, bon, ça, c'est plutôt passable. Après, voilà, il faut attendre que les fabricants réagissent un peu. Pour l'instant, c'est un peu dur. Zoppo, silence radio. Les mecs, ils n'ont pas trouvé. FAWA, il devait l'être. Et apparemment, le prochain, à cause du chipset, pourrait être 900 MHz. Ça serait pas mal. Ce qui pourrait être aussi une solution pour Zoppo, ce qui nous permettrait d'aller le voir en disant, ah, vous avez vu, c'était bien possible, ça venait du chipset, ils auraient pu nous le dire. Ou alors, ils n'ont pas cherché parce qu'ils s'en foutent. Je veux dire, il n'y a que la France où il y a le problème. On est en deal avec une autre marque de smartphone, une grosse marque. Oui, on n'est pas que avec Zoppo. On est en deal aussi avec une autre marque qu'on doit aller voir certainement ce mois-ci. Et on ira voir avec eux si éventuellement le 900, ça serait possible. Et parce qu'ils veulent se développer international, machin et tout. Et encore une fois, on en serait le relais. Oui, je sais, on est un peu partout. Mais on essaye, hein, on essaye d'être un petit peu présent. Aujourd'hui, on est, même si on est les seuls Français en Chine qui ont une aussi grosse visibilité. Le JT Geek, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, merci à vous. Et donc, on est un petit peu là. On est vraiment les Français. On est visités. On était les premiers. Regardez nos vidéos. On a fait les premières vidéos. C'était en 2008-2009. Donc, on était vraiment les premiers. Donc, du coup, il y a pas mal de marques. Ils disent, ah, c'est vrai, le JT Geek, ça commence à être pas mal. Les vidéos, ça ronronne. Donc, ils ont envie. Verrons aussi l'arrivée de... Vous le reconnaissez? Est-ce que tu le connais toi aussi? Voilà, on a fait les petits pancakes en peluche. Là, c'est le sample de l'usine. Ils nous l'ont envoyé. Bon, bah, non, ça va. C'est pas trop mal. Ça ressemble un peu moins au petit, mais déjà, par rapport à la photo, le petit en silicone, ils ont pas réussi à faire pareil. Et là, pareil, la malade nous a dit oui, mais les détails, on leur a envoyé la... Allez, où?
On l'avait renvoyé la Xiaomi, mais ils ont dit ouais, mais la Xiaomi, le mec, il a pas de bouche, il a que des yeux. Donc c'est plus facile. Là, avec les détails, ils ont eu un petit peu de mal, mais ça arrivera. Pour nous, c'est concret, ça arrivera certainement courant du mois avec les petites peluches et tout. Il y aura pas mal d'objets dérivés. Pour le petit geek. Voilà, petit geek, c'est tout. Oh là là, dis donc, ça n'arrête pas. Dis donc, pour une fac, il n'y a pas de question. Une fac plutôt intimiste, hein. Pas trop de rigolade aujourd'hui, hein. Mais les rigolades, ça sera pour dimanche. Parce qu'en fait, là, comme Ludo, il a décidé de me piéger, de me poser un peu des questions pièges. Là, ça me permettra d'être un peu plus réactif. Là, ça permet vraiment d'éclaircir un peu certains points. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez les laisser en commentaire de cette vidéo, par exemple. Et moi, je vous dis, bah, si ça marche, à dimanche pour un prochain Go to Fac. Ce qui n'est pas une insulte. Go to Fac du mois de septembre. On va essayer de faire quelque chose de bien. Et ça sera plus sympa. Et on sera entre nous. Et ça pourra passer vraiment un bon moment. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et vu vos remarques de dimanche, il y a beaucoup de personnes qui attendaient ça. Et je pense que ça fera vraiment l'occasion de partager des choses. En attendant que nous aussi on fasse les Japan Expo en France et que tout le monde puisse nous voir, ouais, trop génial, et qu'on puisse faire une bonne bouffe tous ensemble. Ouais, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait Miss China, paix et prospérité, et à demain, bye bye.